Salut tout le monde, c'est Paul et bienvenue sur Genshin Impact. Et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, on était dans ce je sais pas quoi, en train de faire je sais pas quoi. Et ouais, c'est ça qui est ça. Donnez-moi juste une seconde, je crois que j'ai obtenu des trucs intéressants la dernière fois. Alors, en ce qui concerne les armes pour elle... Oh ben voilà, regardez ça, on va remplacer ça, perfecto. Et maintenant, les artefacts, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça, bon, je vais juste équiper ça juste pour le plaisir. Attendez une seconde, il y a aussi une couronne. Ok, donc, plus 2,4% bonus de soin, mais si j'ai des 7 par-ci par-là, bon. Pour l'instant, les équipements, là, je fais juste n'importe quoi parce que c'est des trucs facilement remplaçables. C'est comme ça dans les RPG, n'est-ce pas? J'étais pas supposé venir ici, mais je tiens à débloquer un point de téléportation. Et je crois qu'il faut faire ça. Attendez, récupérer les récompenses de niveau de... What the... Oh! Attendez! Oh, quand on monte de niveau, on peut obtenir des trucs ici. Oh! Waouh, waouh, waouh! Ok, thank you, very much, les potos. Donc, chaque fois que j'augmente de niveau, je vais venir ici. Ben, je crois pas que je vais venir ici à longueur de journée, vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, il y a sûrement un moyen de débloquer la téléportation ici pour faire ça rapido presto. Donnez-moi une seconde. Ah, ben voilà ce que je cherchais. Point de téléportation. Thank you, very much, ça a été débloqué. Alors, il y a une autre raison pour laquelle je suis venu ici. C'est parce que j'ai une quête secondaire qui me dit d'aller voir le forgeron. Et peut-être qu'il pourra m'aider. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit de ne jamais améliorer mes armes et de garder mes trucs pour plus tard. Pour la seule unique raison que plus tard on a des meilleures armes. That's it. Et ben, c'est logique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais une arme. Je voudrais une arme pour Paimon. Yup. Papa Forgeron m'a dit d'aller chercher des minerais et j'en ai trouvé. Mais le gros problème, c'est que je ne sais pas comment les pogner, malheureusement. Ah, ok, fallait juste les exploser comme ça. Alrighty, boy! J'ai réussi mon coup. Mais là, est-ce qu'il y a un meilleur moyen de faire ça à part l'exploser? Attendez. Oh! Ah, ok, faut juste la taper à longueur de journée. Voilà, voilà, thank you, Billy Macho. On va aller voir Papa Forgeron. Donne-moi mon arme, Papa Wagner! Et oh, oh! J'espère que je vais pas tout détruire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, je vous rappelle des morceaux de fer. Ok. C'est bon, dans le moment d'affaire. Oh, ok. Qu'est-ce que je peux construire? Donc, minerai de renforcement 3 secondes et minerai de renforcement raffiné 6 secondes. Oh my god, wow, wow, wow. Je ne peux pas confectionner une arme, mon frère. Oh, 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 j'ai découvert quelque chose d'intéressant. C'est quoi cette affaire-là? Oh, ah, c'est un monstre! No way, attendez, nouvelle entrée, un monstre qui n'attaque pas. Hé, attendez! Peut-être qu'avec le feu... je la sens pas celle-là, attendez, hold up! Ça fait trop l'air de... Ah, faute! Ah ben oui, ça marche! Ok, ok, pendant le temps, je croyais que ça allait pas marcher. Peut-être que je devrais juste... Pa, pa, pa! Pa! Pa, pa, pa! Pa! Pa, pa, pa! Pa! Voilà, perfecto! Oh oui! Donc, merci pour ces baies. Moi qui croyais que j'avais découvert un item secret. Est-ce que je suis stupide, man? Yo, les bonhommes sont de niveau 13! Wow, wow, wow! Moi, je suis juste niveau quoi? 5? Et oh, 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 attendez, hold up. F d'oiseau, c'est pas du tout moi qui ai volé ça. Attends, pourquoi c'est en feu? Est-ce que je peux prendre? Je peux pas. Oh my god, ok, oh my god, je veux rien savoir de ça. Bon ben, Kaya, what's up, buddy? Eh ben, le bureau m'a dit d'aller dans le temple du loup pour faire du ménage. Ok, alright, on n'a pas trop le choix. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, feu et foudre niveau 25 recommandé. Des petits solos, les amis, c'est pour les bonhommes de niveau 5. Yo, ici, j'ai pas d'autres personnages. Le bonhomme de tout à l'heure, il peut pas venir avec moi. Ah ben, te voilà, je croyais que t'allais pas me suivre. Ok, alrighty, boy, comment vas-tu, frérot? J'espère que je vais en apprendre, oui? Oh, double poteau, je peux l'utiliser. Je croyais que t'allais me montrer de quoi. Ok, d'accord. Donc, porte de la résurrection activée. Ok, les ennemis deviennent trempés quand ils sont dans l'eau. Évidemment. L'élément cryo est capable de geler l'élément hydro et permet de contrôler aisément les ennemis. Ok, toi tu joues avec la glace, comment ça va, Grey? What? Oh, attendez, est-ce que je peux charger mon attaque? Oh, si je garde le bouton, ça fait ça. Nice, ou attends. Ah, je l'ai, mon frère. Je suis Sub-Zero, Grey, brothers. Wouh! Habilito, omae wa kami no me o motte inai. So daro?
OK, je suis supposé faire quoi? Oh! Tu l'as dit, Bouffi? Ça se voit déjà ce qu'il faut faire ici, les amis. Il faut pas être un génie, hein? OK, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comprends-tu? Ah! Oh my god, c'est un piège, bien! Oh, what the? Vous... Attendez. Oh my god! Je savais pas que je pouvais me téléporter comme ça. Bratata! Bonne nuit, frérot. Donc, astuce du voyageur, plume de hibou du médecin itinérant. Wow! Les noms des items là sont assez crazy, je dois vous le dire. Eh ben, je la sens bien celle-là! Wouhou! Je suis un oiseau des ténèbres! Attendez. Oh, oh, oh! Voilà, porte de résurrection. Activez ton amigo! Ouvrez la porte! Et là, regardez ça. Il y a quelqu'un derrière cette porte! Ou quelque chose? Ok, alright. Donc, cette pierre bleue au centre de la pièce est un ambre hydro. Brisez cette pierre pour déclencher une averse qui trempera toute la zone. Oh! Oh, 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 oh! C'est pas ce que j'avais vu à un moment donné? C'est bizarre. Oh! Vous avez vu le doute? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Oh my god! Attends, you got it! J'ai essayé de sauter et l'attaquer, ça n'a pas trop bien marché pour être honnête avec vous. Mais bon, c'est. Voilà, c'est de ce qui compte. Et là. Oh, je peux retremper le tout. Niveau d'aventure 6, minerai, conseil d'aventurier. Mais voyons donc. Oh, oh, on dirait que je dois faire du parcours. Les pics sous-marins rendent la zone trop dangereuse pour la nage. Kaya peut geler la surface de l'eau avec ses compétences créo pour créer un passage sûr. Oh, ok, alright. Ah! Après que. Ok, alright, attendez, hold up. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute au jeu et... J'ai essayé de sauter. J'ai complètement foiré mon coup. Ah ben une chance parce qu'il y a un coffre ici, j'allais partir sans ça. Merci pour tous ces trucs, thank you, thank you. Est-ce qu'il y a un système d'auto-loot dans ce jeu? Je me le demande très très bien. Ah boy. Mais bon, anyway, porte de résurrection activée, je sais pas pourquoi là. C'est pas comme si je crève à longueur de journée, hein. Ouais. I feel the power! Est-ce que vous la filez? Oh, oh, oh! Oh! いい動きするじゃないか. Merci beaucoup! Dites-moi que je peux contrôler ce bonhomme après, s'il vous plaît. Eh ben, les amis, obtention de nouveaux personnages. Oh, 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 thank you. Mais là, l'autre bonhomme, je peux pas l'avoir. Il a l'air nice. Obtenu Kaya, j'ai pas pu lire le reste épais du voyageur. Bon, ben, yo, on est dans un RPG. Vous savez ce qu'il faut faire dans un RPG. Remplacer nos armes. Et il me semble que j'ai pogné une nouvelle épée. Oh my god, j'ai fait l'erreur d'améliorer cette épée la dernière fois. Quand j'ai ceci. Est-ce que vous êtes sérieux? Ah ben, puisque c'est comme ça, c'est toi qui vas utiliser cette épée, hein? Attends, remplacer? Ah ben voilà, on utilise les mêmes épées! Ben, quand je dis « on », je parle de deux personnages, vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc, toi, t'as deux artefacts, et... ok, je crois que je vais te donner la version verte. Toujours meilleure que la version non-verte, hein, parce que ça, c'est gris. Les gris, c'est pas bon, ça, voyons donc! Donc, on a ceci, je fais juste équiper, parce que ce sont des pièces que je vais remplacer plus tard. Pas besoin de lire les trucs à longueur de journée, n'est-ce pas? Côte du Faucon. Je suis en train de voyager pour aller dans l'endroit où je dois aller, mais là, il y a un coffre qui est à l'air très, 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 très intéressant. Ce qui est pas intéressant, c'est que je peux pas les one-shot, hein, mais bon. Ratata! Et on va changer de personnage, bébé! On va les geler, et ensuite, on fait ça. Oh, oh, attends, attends. Lance ça, voilà. Amuse-toi. Et maintenant, attendez, hold up. Est-ce qu'on peut bloquer dans ce jeu? Je sais même pas être honnête avec vous là, mais bon. Alright! Ces bonhommes sont bientôt d'être, regardez ça. Oh, perfecto! On a débloqué un coffre. Dites-moi qu'il y a quelque chose de bon. Et attends, what? Je voulais pas cuisiner pour être honnête avec vous. Donc, montre de poche du blablabla, conseil du blablabla, pour remettre du blablabla. Je sais pas si c'était worth it. Eh ben, les photos, je suis arrivé à destination. On va obtenir notre quatrième personnage, je pense. Je suis pas sûr à 100%. Ah! La magicienne des ténèbres, comment vas-tu, Lisa? Kawaii, Ko-chan. Oh, merci beaucoup. Je suis maintenant dans le temple, les amis. Alors, je vais utiliser ce personnage puisqu'on a demandé de l'aide à lui, pas aux autres. Et... Ah ouais?
T'as beaucoup de pouvoir magique. Oh, c'est vrai, regardez ça, je vais l'obtenir maintenant. Oh, alors ça ressemble à quoi? Ok, tes attaques sont comme une vraie mage. Comprendo, amigo. Mon oncle m'a toujours dit, touche à tout, et ça va être Tigidou. Alors c'est ce qu'on fait, et on dirait que ça marche. Let's go! Ok, les amis, on y va. Onee-chan! Ok, mais il est immunisé contre tes attaques, tes sorts qui étaient correctes. Oh! Attends, je peux attaquer une tonne d'ennemis avec cette attaque. Oh, mais c'est génial, regardez ça. Ok, alright! Là. Ah, ok, il faut aller là. Moi qui croyais qu'il fallait utiliser d'autres trucs. Un appui non permet de charger la compétence élémentaire de Lisa. C'est ce que j'ai remarqué. Lorsque la compétence est chargée au maximum, elle inflige de considérables DGT, dégâts électro sur une large zone. Ah, ok, ouais. Wow! Ok. Abonnez desu yo! Attends, c'est quoi cette attaque, eux? Y'a rien? Juste une petite bouboule? Ok, alright. Mais là, il reste juste 3 secondes. Attendez. Est-ce que j'ai réussi mon coup? Défi terminé. Je crois que je l'ai terminé. Attends, man. Onegai Senpai, donne-moi quelque chose de bon. Ok. Je crois que c'est Tigidou. Thank you very much, amigo. Yo! Est-ce que vous la sentez celle-là? Attendez, on va envoyer plein de petites bouboules. Oh, je peux envoyer plein de petites bouboules pour vrai? Oh, c'est nice encore, je savais pas. Réaction élémentaire? Qu'est-ce que tu veux dire par réaction élémentaire? Je sais même pas comment utiliser le truc E. Il y a sûrement un combo à faire avec ça. Mais je sais pas quoi, pour être honnête avec vous. Mais bon, on peut laisser tranquille dans l'action. Oui, je t'aime bien, Onee-chan. En passant pour ceux qui se le demandent, on peigne une tonne d'items en longueur de... journée, mais je vous montre pas le fait que j'équipe mes équipements. Genre, je le fais hors vidéo parce que de cette façon, on économise du temps. Parfois, je vous le montre, mais pas toujours. Alors, si vous vous demandez pourquoi je n'équipe pas mes nouveaux équipements, c'est parce que je le fais déjà hors vidéo. C'est tout simplement ça. Alright! Donc, attends, l'attaque Q, c'est quoi? T'es comme Pikachu en fait. Hey, c'est nice. Yo, je la sens pas celle-là. On dirait qu'il y a un mini boss qui va arriver. Mais qu'est-ce que je disais? Ok. J'ai totalement compris ce que vous disiez. Oh yes, j'ai pu revenir ici. Thank you, Vinimacho. Ils ont arrêté de blablater. Alors, on va quitter cet endroit. On va se diriger vers le nouvel endroit. Et ouais, c'est vrai, je vous ai jamais montré à quoi ça ressemble le loading sur PC. Et c'est rapide oppresso, vous avez ça? En quoi? 4-5 secondes, ça s'est fait. On a libéré le monde! Enfin, je pense, je suis pas trop sûr à 100%. Eh ben, les amis, obtention d'un nouveau personnage. Laisse ça! Voilà! Yeah! Et maintenant, on a 4 bonhommes dans notre équipe! Ouais, je l'ai remarqué. Prologue, acte 1 terminé, le voyageur 4. J'ai même pas pu lire le reste. Prologue, acte 2 pour un avenir sans âme disponible. Attends, est-ce que j'ai bien lu disponible à partir du niveau 9, quelque chose comme ça? Vous pouvez augmenter votre niveau d'aventure par les moyens suivants. Terminer des quêtes, trouver des coffres, obtenir des succès de votre guide de l'aventurier, activer les fleurs des lignes énergétiques. What the hell? L'expérience d'aventure que vous obtiendrez vous permettra d'améliorer votre niveau d'aventure dans ce vaste monde. De nouveaux défis apparaissent également lorsque votre niveau d'aventure augmente. Ah, ok. Tempus Fugit, acte 1, tâche ingrat. What? Vous pouvez augmenter votre niveau d'aventure par les moyens... Ok, alright, j'ai compris. Donc, le voyageur qui attrape à je sais pas quoi. Ok, ça fait un gros plip de je sais pas quoi. Appuyez sur G pour ouvrir le menu quête. Ok. Oh, il y a une tonne de quêtes à faire. Alrighty, boy. Il faut que je fasse ça, je pense, pour faire quelque chose. Ok. Et là, ensuite, j'utilise toi pour faire... Ça. Là... Il y a un dernier truc à activer sur moi, hein. Ouais. Le dernier truc,
je vais vous dire quelque chose. Ah! Je croyais que je l'avais pas vu, mais il est juste là! Ah! 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 Mais je suis un génie, voyons donc! Waouh! Ok, il y avait beaucoup de trucs, c'était génial! Et maintenant, les amis, nous allons activer cette statue pour avoir une téléportation. Ok. Est-ce que tu vas me donner les trucs pour faire l'offrande? J'espère que t'as du cash, mon ami. Le monde s'ouvre aux âmes nobles. Je veux dire quelque chose, je suis pas noble. Ok, on a débloqué une partie du monde. Donc, en gros, est-ce que ça, c'est toute la map du jeu? Ou il y a peut-être d'autres maps, hein? Oh, wow. Ok, yo, peut-être qu'on peut débloquer encore plus d'endroits dans le futur. C'est totalement crazy, man. Et maintenant, les amis, nous allons faire une offrande. Mais je sais pas quoi donner. What? Récompense de la statue, endurance plus 7, expérience d'aventure 80, primogène 10. Wow, ok. Donc, matériaux demandés, animoculus, offrir. Dis-moi si j'ai fait quelque chose de bon. Je ne suis pas à 100%. Aucune idée. Mais, ah, ok. Je crois que c'est une bonne chose. Ok, c'est bon, donc j'ai plus rien à offrir malheureusement. Donc, merci. Non. Intéressant. Eh bien, les amis, je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu. C'est tout simplement crazy, c'est tellement beau. Et en plus, le gameplay fait en sorte que tu dois t'adapter aux situations. Par exemple, un ennemi est faible contre un certain élément, et eh bien, tu dois changer de personnage, prendre l'élément, utiliser l'élément et essayer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme toi, là, t'es sûrement pas fort contre ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement génial, oui. Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors aujourd'hui là, c'était crazy, on a obtenu deux nouveaux personnages. Alors j'ai envie de savoir, il y a combien de personnages dans ce jeu? 100? 200? Ou peut-être 20? Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires, je vais regarder ça les potos. Anyway, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer la de ce t-shirt de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Blablabla, thank you very much, on fait de ce poteau amico. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!